À nous la CAN vous est offert par 33 Esports, supporter numéro 1 du football. Penalty, Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté et Fabien le perd. Le but, but de Fabien, le champion, carte de 5 de but. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Encore une fois, Polo Samba, Africa. Du football, vous êtes toujours sur la CR TV et nous sommes toujours au Gabon, voilà où se déroule la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Gabon 2017. Ouais, cet événement qui a débuté justement ce 14 janvier hein, et ce jusqu'au 5 février 2017. Les hostilités ont démarré, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, avec du monde, mais des supporters venus en milliers pour cette cérémonie d'ouverture et justement pour les deux matchs. Le Cameroun est représenté aujourd'hui. Bah, comment sinon ça va? On l'a directement avec les supporters, hein, parce que l'ambiance ici au Gabon, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Venu du Cameroun pour cette CAN, pour les Camerounais, pour les Lions Indomptables. Ouais, nous sommes venus pour Cameroun. On essaie de chercher à entrer, mais on va entrer et c'est ça la coupe. La joie est dangereuse pour tout le monde et nous sommes là pour tout le pays. Magnifique, extraordinaire. Vous comprenez que cette CAN qui est en train de démarrer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eux, ils vont aller dans les stades. Moi, je resterai avec ceux-là qui n'ont pas pu justement entrer dans le stade et on vivra la CAN ici même autour du stade parce qu'il y a eu des fan zones qui ont été placées. Et en même temps, la communauté de Libreville a affrété en fait quelques bus pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre en live cette grande fête qui réunit tous les Africains. Regardons ce petit reportage. Comment l'euphorie des supporters est tout simplement extraordinaire. Dans la ville, dans les bus, mais c'est magique. Regardons et apprécions. Ben c'est la CAN Gabon 2017. Total, s'il vous plaît. Encore une fois, Polo Samba, Africa. Ah!
est d'origine camerounaise, cette fille, mais je l'ai épousée. Je l'aime. Elle est à moi. Donc elle est gabonaise, elle est des Panthères. À 20 ans, change de tenue. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de Franco-Cameroun ici. Hein? Et Burkina Faso, ce que nous souhaitons pour gagner, c'est 10 euros que nous voulons gagner au Burkina. C'est ce que nous plaît beaucoup. Mais pour moi, les Panthères du Gabon, c'est la meilleure équipe actuellement sur le continent. Et étant donné que nous organisons cette CAN dans notre territoire, je souhaite aux Panthères de remporter cette coupe. Et pour qu'à travers cette coupe, le Gabon puisse s'unifier encore davantage. Vive les Panthères, vive le Gabon. Et vive les Lions du Cameroun, parce qu'on espère bien que le Gabon et le Cameroun se retrouvent en finale de cette CAN. Ça fera une bonne fête, la fête du continent, surtout l'Afrique centrale. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour supporter nos compatriotes, les Lions Indomptables, et représenter l'ensemble des Camerounais qui ne sont pas venus. Oui, c'est un événement que nous avons tant attendu au Gabon. Depuis que nous sommes au Gabon, le Cameroun, les Lions Indomptables n'ont jamais livré une CAN au Gabon. Mais l'occasion s'est présentée et je crois qu'ils vont faire honneur aux Camerounais. Des grandes ambitions. Impossible n'est pas gabonais. Même sous l'eau, le gabonais fume son cigare. Merci encore, chers Africains, de venir nombreux comme ça à la CAN 2017. Et le Gabon gagnera. Ici, papa, c'est le ici, Gabon. C'est... Et vous verrez ce que le chien veut bien sang. Allez, papa, vous épousez le bro, mais le Burkina gagne. On gagne! Yeah.
avons laissé en fait un tout petit peu hein, pour l'instant nos supporters qui se trouvent du côté du stade de l'Amitié. Et là, nous sommes en fait sur le boulevard de l'Indépendance avec à ma droite ben, la mer, le soleil. Et là, nous allons profiter de ce très beau coucher du soleil. Mais pour l'instant, jour 2 pour l'événement qui fédère l'ensemble des Africains et qui procure aussi bien de la joie tout comme la tristesse. Tout dépend en fait du score final du match. Hein. Ben ouais, qu'est-ce que vous croyez? Mais bon, le pays qui retient notre attention aujourd'hui, c'est l'Algérie, mais plus précisément les Fenecs. Les Fenecs de l'Algérie qui ont eu à participer 17 fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et ont remporté celle de 1990. Eh ben oui, l'Algérie à la quête d'une victoire finale. Un élément signé Yvan Ango. Si vous demandez à 10 spécialistes du football africain qui est le favori de cette CAN 2017, eh bien, dans la plupart des réponses, vous aurez le nom de l'Algérie cité. Ceci est le cas quasiment depuis 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Fenecs n'ont toujours pas réussi à rééditer l'exploit de 1990. Et pourtant, la qualité des effectifs est similaire et même que celle d'aujourd'hui est dite meilleure. Quel est donc le problème? Est-ce le manque de joueurs charismatiques ou d'un leader né pour conduire à la victoire comme l'aurait été l'éternel Rabah Madjer en 1990 pour l'Algérie, où il avait porté à lui tout seul l'équipe des Verts et Blancs jusqu'à la victoire finale de surcroît à Alger. Alors que la formation des Fenecs se cherche un héros aujourd'hui, les mémoires se souviennent d'un joueur hors du commun qui avait marqué le premier but de cette CAN pour montrer la voie à son équipe, pour après se mettre au service du collectif et donner 3 passes décisives et porter le trophée final. Le peuple algérien attend depuis 27 ans pour revivre une histoire similaire et écrire à nouveau son nom dans le livre d'or de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 2 buts seulement concédés, les guerriers du désert avaient marqué les esprits et leur rage de vaincre transparaissait dans toutes leurs actions. On dit d'eux qu'ils avaient subi un entraînement militaire secret pour dégager une telle force sur le terrain. Autre fait historique de cette histoire algérienne, depuis 1990 et cette victoire face au Nigeria, l'Algérie n'a plus jamais gagné son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Révélateur pour ceux-là qui courent derrière un second sacre continental. Rabah Madjer est-il parti avec le facteur chance, si important pour une équipe qui désire gagner? L'avenir nous le dira. Jean-Paul qui la rejette dans son attention. Oh, l'arbitre siffle et fait faute. Jamy remet le ballon en jeu, passe court, Guidon qui prend 1, 2, 4 et 10 remportiers. Plutôt Lionel avec un fini. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Oh là là, le football. Restons donc dans l'histoire hein, avec un joueur polyvalent qui a fait la fierté des Lions Indomptables du football du Cameroun. Cadre dans cette équipe puisqu'il a fait partie de ce groupe-là qu'on appelait les 1-9-8-4, 1984. Il s'agit bien évidemment de Jérémy Sorel Nditap, aujourd'hui président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, SINAFOC. Eh bien, nous l'avons rencontré à Douala, dans son bureau, dans son siège même, où il a pu justement nous raconter quelques anecdotes qui ont pu marquer sa longue carrière de footballeur durant quelques phases finales de CAN. Regardons. Lorsque nous sommes partis, nous avons pris l'avion pour arriver au Nigeria. Déjà à l'aéroport, quand on a atterri, nous n'étions pas la bienvenue. Ceux qui travaillent à l'aéroport déjà commençaient à nous provoquer. Et ça, je vais vous dire, ils ont commencé à dire « Oh, Cameroun, bon, je ne vais pas prononcer certains noms, vous allez perdre » et ainsi de suite. Mais ce qui m'a marqué, c'est le fait que tout d'un coup, naturellement, on s'est mis à répondre. Vous allez voir, on vient prendre le trophée et on part. Dès qu'on a pu, on a dit, ça sortait. Hein, ceux qui étaient à côté de nous ont dit que we're gonna take the trophy. C'était les Anglais. We take the trophy and then we leave. The same time. Ça, c'est ce qu'on disait effectivement. On dit, nous, on prend notre trophée, on s'en va. Et effectivement, on avait arrangé déjà avec nos dirigeants, nos responsables, que nous, on ne veut pas passer la nuit là-bas.
Déjà, le fait que lorsque nous sommes arrivés 2 ou 3 jours avant, on n'était pas la bienvenue. Il y avait déjà des mouvements de déconcentration, tout genre. Hein. Je vais vous dire, tout genre. C'était de bonne guerre, vous comprenez? Du coup, on a eu cette idée. Je vais vous dire, on a eu cette idée de manger chez nous. Lorsque je dis chez nous, c'est-à-dire dans notre ambassade. Nous, on dormait tout simplement à l'hôtel. Parce qu'ils nous avaient déjà montré que c'est une guerre. Donc, on a tout évité. On a dit, OK, on ne peut que faire confiance aux nôtres. Du coup, on mangeait à l'ambassade. Lorsqu'on a commencé les séances de tir au but, je vous dis, on s'est concerté. Certains ont tout de suite déclaré en fait de chaussant que voilà, c'est fini pour eux. Ils ont retiré les godasses, ils ont mis les baskets. Et ceux qui se sentaient courageux étaient là. Mais ils étaient là comme s'ils n'étaient pas là. Je me souviens, on dit, je peux faire taire le nom, on dit que c'est toi qui tire. Il dit pardon. On dit c'est toi qui tire. Il dit pardon. C'est moi qui te dis. On dit, et tout de suite, on se rapproche vers lui. On dit, réveille-toi, mon gars, c'est toi qui tires. Il dit, c'est moi qui tire. On dit, oui, on a dit que c'est toi. Vous comprenez qu'il n'est plus là. Parce que c'est dans son esprit, il était égaré. C'est la pression. Il ne se sent pas. Il y a des fois, je vais vous dire, pendant les séances de tir au but, un gars commence à taper ses jambes. Il dit, je ne sens plus mes jambes. On lui dit, non, tes jambes sont là. Vas-y, relâche-toi. Il faut tout de suite l'assister. Je vais vous dire, c'est des moments très, très forts. Très, très forts. Et sachant que si vous marquez, on remporte le trophée. Et je vais vous dire, notre dernier tireur, généralement, c'était notre capitaine. C'était notre capitaine. Et puis, vous savez, c'est... Vous ne le connaissez pas, c'était un monsieur, on l'appelait Capitaine Courage. Et parfois, c'est un homme aussi qui a le cœur. Et je vais vous dire, c'est quelqu'un que... Mais bon, je dis, ça fait toujours partie du groupe. Nous, combien de fois on l'a réveillé pour que, voilà, on lui dit, Magnan, c'est toi qui, si tu marques, effectivement, il dit pardon, il dit oui, si je marque le trophée, on rentre avec. Comprenez, donc c'est pour vous dire que ce sont des moments très très inoubliables et puis c'est à vivre. Et je crois qu'il y aura beaucoup qui ne supporteront pas. Mais bon, ça fait partie du métier et on parvient à surmonter ces moments parce que voilà, par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, et je vous dis, c'est pour ça que l'expérience est parfois importante. Lorsque nous arrivons au Mali, les premiers jours, tout de suite, on a des gars qui tombent malades par rapport à ce qu'ils ont mangé. Du coup, nous, les leaders, on se retire, on dit, écoutez, nous sommes venus ici pour gagner la CAN. Si on ne mange pas bien, si on ne dort pas bien, il ne faut pas se tromper, ça va nous rattraper. Pour cela, on peut saisir le gouvernement. Qui nous envoie la nourriture et on les promet de leur ramener le trophée. Et on a saisi, je ne veux pas vous cacher, hein, je profite aussi de l'occasion, on a saisi par nos moyens
il faut le dire, hein, si je peux me permettre, on a eu à saisir la plus haute instance par le biais de quelqu'un qui a été très actif. C'était la première dame, hein, on ne va pas vous cacher, hein, c'était la première dame qui nous, on lui a fait comprendre que, écoutez, maman, si nous on a la bouffe qu'il faut, on vous ramène le trophée. Et vraiment, elle a très très bien réagi, je vais vous dire, hein, c'est tout de suite, elle a compris. Et donc, elle a très bien réagi tout de suite, elle nous a compris. Nous, on lui a promis en retour, on va ramener le trophée. Et je vous dis, première chose, lorsqu'on a remporté le trophée, on a dit, bon, on vous avait promis, maman, voilà le trophée. Bah, merci déjà pour ce... Effectivement, on mangeait camerounais là-bas et on mangeait très bien. Et à chaque fois qu'on gagnait, on disait, voilà, c'est à cause de ce qu'on a... C'est la nourriture là, on a bien récupéré, on a bien mangé, on a eu beaucoup d'énergie pour pouvoir gagner. Et à chaque fois... Et ça s'est très bien passé. Libreville aime le football. Ils sont amoureux du football, hein, ça c'est sûr. Après avoir co-organisé avec la Guinée équatoriale, eh ben c'est eux qui ont tout pris en charge cette année, oui, pour organiser cette 31e édition. Eh bien, il est temps pour nous de vous sortir le chiffre du jour. Vous avez une idée ? Du chiffre ? Du jour ? Lequel ? Non, pas le 2, Johnny. Ben non. Allez, un peu d'effort, là. Le chiffre 4. Oui. Alors, à quoi nous renvoie le chiffre 4 aujourd'hui, mon cher Yvan Ango ? Raconte-nous. Dis-nous tout. Comme le dossard du joueur avec le plus de matchs en Coupe d'Afrique des Nations, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, 36 rencontres disputées en phase finale. 4 correspond aussi au nombre de finales jouées par le Ghana, c'est un record en Afrique. Il y a aussi 4 équipes qui ont des entraîneurs nationaux. Le Congo Kinshasa avec Florent Ibengué, Paul Torres pour la Guinée-Bissau, Aliou Cissé pour le Sénégal, Calisto Pazoua avec le Zimbabwe. 4, c'est aussi le nombre de villes à accueillir à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017, Libreville, Oyem, Franceville et Port-Gentil. Vous savez tout, ou presque, en ce qui concerne le chiffre 4 dans le domaine footballistique en Afrique, bien évidemment. Merci, mon cher Yvan Ango. À nous la canne, ben, stop et fin hein, pour aujourd'hui. Merci à la CR TV, où vous nous regardez, bien évidemment, au quotidien et durant toute cette période de canne jusqu'au 6 février. Si, si. Et merci aussi à notre partenaire 33 Esports, supporter numéro 1 du football. Ben, le foot pour tous, Libreville aime le football. À nous la canne, stop et fin pour ce deuxième numéro. On se retrouve justement demain, toujours sur la CR TV. Prenez soin de vous, de vos villes. Kizou, l'Afrique au Gabon. Ciao. À nous la canne vous est offert par 33 Esports, supporter numéro 1 du football.